Rares sont ceux qui trouvent leur voie. Certains ne la reconnaissent pas, d'autres ne le veulent même pas. Je crois que ceci est un bug. Je vais reprendre mes fâcheuses habitudes de sauvegarder sans cesse. Nos terres sont dévastées, notre esprit réduit à néant. Désolée pour... Tiens, ça me rappelle l'asile. N'y a-t-il donc aucune joie par ici? L'esclavage et la joie de vivre ne font pas bon ménage. Lorsqu'un obstacle se présente, il faut penser à sauter par-dessus. Chevauche le vent. Ne fomentez pas la discorde, étrangère. Les agents de la Reine Rouge sont impitoyables. Je n'ai pas peur d'elle, ni de ses créatures. Je n'en ai jamais eu peur, d'ailleurs. Vous devriez leur tenir tête. La rébellion est inutile. Tant que la reine règnera, seule la mort pourra soulager nos souffrances. Ou bien sa mort, je suppose. La méta-essence est la force vitale du Pays des Merveilles. Celle de tes ennemis est particulièrement puissante. Récupère ce que tu peux et sers-t'en avec sagesse. Ce passage me fait penser à l'histoire sans fin, le second lutin. Je vais trop vite, c'est le perturbe. Ton couteau est nécessaire, mais insuffisant. Récupère toujours ce qui peut être utile. Ne rejette que ton ignorance et tu pourras survivre. Tout le monde semble découragé. Les choses sont-elles si terribles que ça? La vérité vous anéantirait. Êtes-vous le sauveur dont le lapin nous parle depuis si longtemps? L'êtes-vous? Je ne pense pas. Je suis une personne, et pour l'instant, je voudrais juste devenir toute petite, à peu près grosse comme ça. Il va falloir maigrir, et puis marcher en crabe, pas de face. Si je savais comment faire, moi aussi je marcherais en crabe. Qu'est-ce qu'il porte sur mon dos? Pas maigre, petite. Je veux faire à peu près cette taille. La forteresse des portes cache ce genre de secret. Mais il est très difficile d'y pénétrer. Les portes ont des serrures, les serrures ont besoin de clés, et tu n'en as pas. Espérons que les portes seront ouvertes. Sinon, je trouverai un autre moyen. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, si vous me pardonnez l'expression.
décalage là quand même. Quelle métaphore fort déplaisante. Je te prierai de l'éviter à l'avenir. Rares sont ceux qui trouvent leur voie. Certains ne la reconnaissent pas, d'autres ne le veulent même pas.